Ils s'agitent, et font les animaux. Hé, hey, qu'est-ce que tu regardes la nouvelle? Mais arrête, Kenan. Mais oui, tu fais quoi là? Elle arrête pas de nous fixer. Pas mon groupe, pas mon genre. Sont trop bizarres. Trop bizarres. On fait le poulpe. Le quoi? C'est la danse du poulpe. Vous êtes trop bizarre. C'est à cause du collège, le collège Jules Verne. Tu comprends? Pas sûr, quand il pleuvait des cerveaux, elle avait sûrement un parapluie. On joue à se clasher aussi. Je sais, j'ai vu. Vous êtes bizarre et en plus vous vous parlez mal. Tu t'appelles Oriane, c'est ça? C'est ça. Lui, c'est Kenan. Bonjour Kenan. Bonjour. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. J'ai 5 doigts et celui du milieu, il est pour toi. Waouh! Il y a du niveau, dis donc, qui parle plus maintenant. Claqué au sol, saison 1. Épisode 4, Oriane. Retour avant la pizza partie. Conversation avec les inséparables. 20h27. Kenan le geek. Hé, la nouvelle. J'ai vu ta galerie aujourd'hui. Il y avait des vidéos de toi qui jouais de la guitare. Tu nous fais écouter? Elena l'a détraqué. Creepy! Cachez vos téléphones! Kéké le voyeur nous espionne! Emoji visage qui hurle de peur. Loulin Tello. Arrête de l'appeler la nouvelle, c'est lourd. Arthur le gentil. Chante, Orion. Mais moi aussi je veux bien entendre. Allez, chante-nous quelque chose, s'il te plaît, Elena l'a détraqué. La pression! Emoji micro de studio. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer mes vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. J'ai pas rangé les questions que je me pose. Pas grand-chose. Arthur le gentil. L'intello. C'est dingue! Elena l'a détraqué. C'est du lourd! Kenan le geek. Non, pas du Big Flo et Oli. Je veux que tu chantes un truc à toi. C'est si gentiment demandé. J'ai pas eu la chance de grandir dans un cocon. J'ai connu des maisons, des visages, des prénoms. Mais jamais de famille, jamais de vrai lien. Je me suis construite seule, avec mes rêves en chemin. Plus tard, je serai heureuse, plus tard, je serai aimée. Plus tard, je trouverai ma place, plus tard, je saurai donner. Plus tard, plus tard, plus tard. 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 J'ai appris à sourire, à faire semblant d'être heureuse. À ne pas trop m'attacher, à être courageuse. Mais au fond de moi, je gardais l'espoir qu'un jour je trouverai ma place et mon histoire. Plus tard, je serai heureuse. Plus tard, je serai aimée. Plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard, je trouverai ma place. Plus tard, je saurai donner. Plus tard, plus tard, plus tard. Il est tard, les enfants, je vais me coucher. Vous devriez dormir. Vas-y, vas-y, on recommence encore une fois. Non, Elena, il est tard. Ta mère a dit qu'elle allait se coucher. Si, si, une dernière fois. Elle dit jamais rien, la mère d'Elena. Vite, maman vient me chercher dans un quart d'heure. D'accord, si tu chantes le refrain avec nous, Arthur. Non, tu les chantes pas. Elle a raison, moi, à part l'escrime. Vas-y, Oriane. On est les reines du collège. On fait la loi dans la cour. On se clash, on s'insulte, on se tape, c'est de l'amour. On se dit des gros mots, on se lance des défis. On rigole, on s'éclate, on s'en fout de la vie. On fait la danse du poulpe, la danse du poulpe. On fait la danse du poulpe, la danse du poulpe. On fait la danse du poulpe et on crie comme des fous. Moi je suis la plus forte, je fais peur à tout le monde. Je suis la chef de la bande, je mène le jeu à la ronde. J'ai peur de personne, j'ai pas besoin d'amis. Je me bats pour mon honneur, je me bats pour ma survie. Non, non, non.
T'es la plus douce, t'es la plus gentille. T'es ma meilleure amie et ma seule famille. Tu me soutiens dans mes combats, tu me consoles dans mes peines. Tu me fais rire aux éclats. Tu me fais voir la vie en rose. Tu me fais voir la vie en rose. On est les reines du collège, on fait la loi dans la cour. On se clash, on s'insulte, on se tape, c'est de l'amour. On se dit des gros mots, on se lance des défis. On rigole, on s'éclate et on s'en fout de la vie. Chut, plus un bruit maintenant. On chuchote et Arthur nous parle de l'escrime. Bah, c'est l'escrime. C'est la tenue que j'adore. Il se prend pour un cosmonaute avec le truc sur la tête. Oh, t'y vas toutes les semaines ? Non, j'y vais plus depuis le Covid. J'ai pas repris après. Maman dit que c'est trop compliqué, c'est trop loin. Bah, moi ça m'intéresse l'escrime. Je suis pas trop astronaute, plutôt dueliste. Fleuret ou épée, je veux toucher au cœur. C'est loin. C'est presque une demi-heure de voiture. C'est tard. Arthur est fatigué. Je suis pas fatiguée, maman. Y a pas de bus ? En bus ? Je pourrais les amener. Conduire à Oriane. Ça fait partie de mon travail. Vous croyez ? Oriane, viens voir ma tenue, je l'ai essayée hier. Attends. On va faire la demande. Il faut qu'on demande le financement et l'autorisation du tuteur, parce que l'escrime fait partie de la liste des sports à risque. Oui, bien sûr, je vais lui faire une lettre. J'expliquerai pourquoi je veux faire de l'escrime, où ça se passe, le prix, les horaires, tout. Et j'enverrai une copie à Vincent. Vincent ? C'est mon éducateur. Mais vous ? Vous êtes d'accord pour qu'Arthur reprenne ? J'ai vu le doigt tordu, entendu l'os céder et mon ami crier. De mes yeux, je l'ai vu. J'ai pas su quoi faire. J'ai pas su quoi faire. J'enfonce ses écouteurs, j'ignore tous les moqueurs. Je me mêle pas de ça, ça me regarde pas. Bien sûr, j'ai parlé au maître d'armes. C'est lui qui a proposé d'adapter le cours. Il veut qu'Arthur revienne. Il peut très bien le faire avec son pansement. Bon, je passerai le prendre avec Oriane. Elle va être enchantée. Vas-y, grimpe, Arthur. Tu te sens d'attaque ? Ta mère était un peu inquiète. T'es content d'y retourner ? Faut pas que t'aies peur. Mais ça se passe comment le retour à l'école ? Oriane, tu dis pas grand chose. Oriane, qu'est-ce que tu fais ? Enlève tes écouteurs. Tu sais très bien. T'as pas desserré les dents pendant tout le trajet, Arthur non plus, pas un mot. Tu trouves ça normal ? Bon, il se passe quoi avec Arthur ? À l'écart ? À l'écart de quoi ? Vous lui parlez plus vraiment ?
Toi, oui, j'ai vu que tu lui parlais plus. Qui d'autre? Tout le monde? Tout le monde a décidé de plus lui parler? Depuis quand? J'ai vu les regards, les moqueries, les coups. Depuis l'accident. Pour une raison que tu me dis pas, tout le monde tient Arthur à l'écart. Tenir quelqu'un à l'écart, c'est une violence. Ça dure depuis l'accident, c'est répété. Et je peux te dire qu'Arthur n'est pas capable de se défendre contre cela. C'est trois choses. Quand on les met ensemble, ça a un nom, Auriam. Ça s'appelle du harcèlement. Tu harcèles Arthur. J'ai vu les larmes, les cris, les appels au secours. Il se moque. Et toi, tu te moques pas? Hein, tu souris juste. Et tu décides de plus lui parler. Mais j'ai rien dit. Rien fait. Rien changé. Je me suis cachée, effacée. Éloignée. En faisant ça, tu donnes le pouvoir à ceux qui se moquent. T'es une suiveuse et c'est pas moins grave. C'est du harcèlement, ça aussi. Et je te le dis, je trouve ça inadmissible. Je trouve ça presque pire. Demain, j'appellerai ton éducateur pour qu'il te reçoive. J'appellerai le collège pour prendre rendez-vous avec la CPE. Personne n'a le droit de harceler. C'est un délit. Et toi, encore moins que les autres. C'est malheureux, mais c'est ta réalité. Tu dois avoir plus de plomb que ça dans la tête. L'école, c'est la porte de sortie pour toi. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi, tu dois avoir une scolarité sans faille. Je sais. J'ai vu les regards, les moqueries, les coups. J'ai vu les larmes, les cris, les appels au secours. Mais j'ai rien dit, rien fait, rien changé. Je me suis cachée, effacée, éloignée. J'ai suivi le mouvement, le courant, la foule. J'ai ri avec eux, menti pour eux, trahi pour eux. Mais j'étais pas fière, pas heureuse, pas sincère. Je me suis perdue, vendue, oubliée. Auriam, c'est mon nom, c'est ma honte, c'est ma faute. Auriam, c'est ma vie, c'est mon drame, c'est mon choix. Claqué au sol, une création Studio Bloom et Massif.